Moi, en fait, j'ai gradué de l'Université Laval, la faculté de médecine dentaire en 2008. J'ai fait ensuite une résidence multidisciplinaire, puis je suis engagée comme professeure assistante depuis un an à la faculté de médecine dentaire de l'Université Laval. Je m'en vais débuter une spécialité en orthodontie pour les 3 prochaines années, puis ensuite je vais continuer ma carrière universitaire comme professeure adjointe. En fait, moi, la profession de dentiste-professeur me permet d'avoir 3 volets. On a un mandat là, d'être enseignant ici à l'université, donc on a à donner des cours théoriques aux étudiants, à les aider dans leurs travaux précliniques. Ensuite, ils nous demandent de faire aussi de la recherche pour approfondir nos connaissances du domaine en médecine dentaire. Puis, on a aussi le volet qui fait que moi, j'ai à être praticienne, donc je reçois mes patients ici à la faculté, toujours dans le milieu universitaire. En fait, la profession de dentiste, ce qui la distingue des autres professions de la santé, c'est surtout le fait que ça fait appel à plusieurs de nos habiletés en même temps. On a besoin d'utiliser nos habiletés manuelles autant qu'intellectuelles dans toutes nos actions à travers la profession. C'est aussi une profession qui est très, très proactive, très dynamique. On doit observer, poser un diagnostic, puis ensuite poser l'acte qui va résoudre le problème qu'on a observé. Les grandes forces de la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval, c'est en fait qu'on peut offrir une place clinique à chaque étudiant pour leurs 2 dernières années à la faculté ici. Donc, ils peuvent recevoir leurs patients toujours dans le même cubicule, dans toujours le même espace clinique avec leurs instruments, tout ça. Donc, ça fait comme une ambiance de petit cabinet. L'autre gros avantage, c'est qu'on accepte 48 étudiants par année. Donc, ça fait des classes très, très unies. Vu qu'il y a un petit nombre d'étudiants, ça permet d'avoir une belle entraide entre les étudiants. Puis, ça fait comme une grande famille, finalement. C'est une profession très, très dynamique qui me permet d'utiliser autant mon côté manuel que mon côté intellectuel. C'est sûr que ça, c'est un gros plus pour moi. Ensuite, j'ai fait un deuxième choix, c'est le choix d'être professeur dans un milieu universitaire. Pour moi, l'approche avec les étudiants, d'avoir une interaction qui est hyper stimulante, de voir les différents patients avec eux, d'en discuter, de faire partie de leurs différents projets, c'est sûr que ça me reste, ça me garde toujours près de mes connaissances, puis très près de ce qui se déroule dans le domaine, autant de la recherche que de la clinique, là, tout ça. Donc, moi, ça allie 2 mondes qui me semblent être très, très connexes, là, finalement, de rester toujours à jour dans ma profession, puis de pouvoir aussi la pratiquer au jour le jour.